les amis, un nouveau format, un mini short, si vous voulez, d'Apocadrill. Alors, plutôt que de faire des longs thèmes avec des longs séminaires et des longues exégèses sur des thèmes qui me paraissent passionnants et intéressants avec vous, je vais vous faire plutôt une petite exégèse de la phrase que je dis à chaque fin de live ou à chaque fin d'Apocadrill, justement. Vous connaissez cette phrase, je la dis à chaque fois, c'est ma petite marotte, ma petite maxime. N'oubliez pas une chose, c'est de prier, mais non pas pour demander, mais pour remercier. Pour remercier. Je voulais faire mon petit mea culpa et je voulais vous dire de ne pas sous-estimer la miséricorde et la générosité divine. Car oui, demander, c'est aussi remercier. Alors je m'explique parce que bien sûr, vous avez bien compris dans quel sens je le disais à chaque fin de live, dans quel sens je disais ce petit apothegme qui se voulait plutôt une critique face à l'utilitarisme de certaines personnes qui ont une relation complètement dévoyée de la divinité et de leur rapport, on va dire, quasiment capitaliste, c'est-à-dire que leur dernier rempart au monde moderne, c'est elle-même d'avoir une relation, on va dire, marketing, une relation marchande avec Dieu. Je te donne, tu me rends. Non. Donc je reprends. Demander, c'est aussi remercier. C'est remercier d'une certaine manière, parce que demander, c'est renoncer à croire que tu détiens un pouvoir que tu ne possèdes pas, que Dieu seul possède. C'est admettre ton indigence, reconnaître ta servitude au roi des rois, si je peux m'exprimer ainsi, pour reprendre le petit lien avec la métaphore médiévale. Et que c'est lui, L majuscule, c'est lui qui fait, et non toi. Ça paraît ontologiquement très simple, c'est quand même la relation créature-créateur. C'est d'une certaine façon s'humilier pour lui, et donc de l'adorer. Et donc, de le remercier. Et quel beau remerciement que l'adoration. T'as peut-être compris où je voulais en venir. Et si tu aspires sincèrement à ce à quoi tu penses aspirer dans ton fort intérieur, dans ton âme, sache que Dieu est loyant, qu'il écoute et qu'il exauce qui il veut. Ne mésestime donc pas les prières, bien au contraire. Après, bon, je pense que je ne l'ai jamais mésestimé, en tout cas j'espère ne pas l'avoir mésestimé avec cette petite phrase, mais voilà, ça ne coûte rien de rappeler tous les bienfaits de la prière. Et pour préciser au cas où, quand je parle de prière, je parle d'une prière sous forme de supplication intérieure, de demande, de confidence en ton cœur, entre Dieu et toi. Et non du rite à proprement parler, quelle que soit sa forme. J'ai demandé à Apollos son avis sur un apocadrill mini format sur la prière. Et il m'a tout de suite renvoyé au génialissime, à l'inénarrable, à l'incontournable Évagre le Pontique. Alors, qui est Évagre le Pontique? Évagre le Pontique est un moine du 4e siècle ayant vécu dans le désert d'Égypte. Et il fut le premier qui systématisa la pensée ascétique chrétienne. Donc les mecs, ils finissent dans le désert et ils prient et ils balancent des trucs. Ce qui est encore plus puissant, c'est qu'il était beau, soigneux de sa personne, mondain, et il se laissa griser par ses succès. Quand il était jeune, il a connu une passion amoureuse partagée avec la femme d'un préfet. Et il se rendit très vite compte du danger qu'il courait, non seulement humainement, mais aussi spirituellement. Car oui, Évagre avait reçu une excellente culture littéraire, philosophique et spirituelle auprès de Saint Grégoire de Nazianze, dans un contexte de retrait du monde, stimulant et austère à la fois. Mais voilà, il avait un pied dans la mondanité quand même, tout en pouvant aller se recueillir chez ce Saint Grégoire. Ça n'a pas suffi, il est tombé amoureux, il a pété les plombs, il s'est rendu compte qu'il faisait de la merde. Tiens, ça me renvoie à pas mal de choses. Et est-ce vraiment ce qu'il désirait vivre? De l'extérieur, on pourrait dire, ne s'éloignait-il pas de ce qu'il avait perçu comme sa vocation profonde? Autant de questions qu'il habitait, il a fait un rêve, il a été très très réceptif à ce rêve. Et bon, il y a des gars comme ça qui, quand ils font un rêve, ils finissent à Jérusalem. Alors après, je vous épargne, ils tombent malades, machin, les controverses reviennent et tout ça. Bon, au final, il part à 35 ans en Égypte. Il reçut l'habit monastique. Et au lieu du monachisme de cette époque, il abandonne tout. Et Évagre va donner un enseignement valable pour tous les chrétiens, mais comme tout pratiquant aussi, quelle que soit la tradition,
qui cherche à accéder à une vraie liberté intérieure et ne plus être le jouet de ses passions, pour laisser l'amour de Dieu, la contemplation totale, l'amour du prochain, s'épanouir dans la prière et dans ses relations. Alors c'est très chrétien, c'est clair que c'est pas du tout la mystique bouddhiste par exemple, mais il y a beaucoup de choses qui se rejoignent. Nous sommes à une époque où le monachisme, proche de ses origines, en florissant dans sa forme érémitique, c'est-à-dire la puissance de vivre seul dans un désert. Je vais vous donner un exemple très simple que tout le monde connaît, tout le monde connaît le personnage de Moïse, et avec Moïse, Evag va nous montrer tout de suite son tropisme, on va dire, esthético-intellectuel, théologique, si vous me permettez cette expression. Alors, si Moïse, lorsqu'il tenta d'approcher du buisson ardent, en fut empêché jusqu'à qu'il eût enlevé de ses pieds les chaussures, comment toi, qui prétends voir celui qui est au-dessus de toute pensée et de tout sentiment, ne te dégages-tu pas de toute pensée passionnée ? Ça, c'est dans les leçons d'un contemplatif. Alors, effectivement, alors là, on voit bien que Moïse apparaît comme le symbole du chercheur de Dieu et du contemplatif. Mais Évagre fait état ici de ses pensées passionnées qui entravent la relation à Dieu. Mais pourrions-nous dire aussi à nous-mêmes, aux autres et au monde qui nous entoure ? Les pensées sont des maladies de l'âme qui n'est plus dans l'état de la bonté. Donc on voit bien l'analyse du... En fait, Évagre va analyser la psyché de Moïse. Mais alors, du coup, on va dire, les pensées sont des maladies de l'âme. Ou c'est la catastrophe. Mais du coup, comment il va analyser les pensées ? Les pensées sont des maladies de l'âme. L'âme qui n'est plus dans l'état de bonté et de beauté dans laquelle Dieu l'a créée. Évagre y voit la conséquence du péché ou de l'éloignement de Dieu. Il va donc proposer comme première étape la pratique, c'est-à-dire l'ascèse ou le travail sur soi-même, ou encore la méthode spirituelle qui purifie la partie passionnée de l'âme. En gros, si vous voulez, Évagre va s'inspirer plus ou moins de Origène et il va diviser l'âme en trois parties, la partie concupiscible, la partie irascible et l'intellect. De ces trois parties découlent toutes les pensées et passions. Évagre va identifier 8 passions ou pensées mauvaises, source de toutes les paroles, pensées et actes impropres. Et vous la voyez bien arriver. Et oui, c'est bien les 7 péchés capitaux qui, dans la religion catholique, sont les péchés ou vices qui entraînent forcément tous les autres. Et cette liste, cette nomenclature, qui se distingue de la désobéissance qu'on a dans les prescriptions de Yahvé à Moïse dans le Décalogue, oui, toujours Moïse, on y voit le contour avec Origène et Évagre, plus ou moins au IVe siècle, mais a été systématisé par Thomas d'Aquin au XIIIe siècle. Alors, les 7 péchés capitaux, c'est pas Évagre le Pontique, parce que lui voyait plutôt 8 passions ou pensées mauvaises, yogismoi en grec, source de toutes les paroles, pensées ou actes impropres. Alors effectivement, par exemple, si on prend la partie de l'âme concupiscible ou désir de possession, on a la gourmandise et excès de bouche, comme on disait à l'époque, excès de bouche, j'aime bien. Luxure, avarice ou vaine gloire, la démesure. Pour la partie de l'âme irascible, on a bien sûr privation et frustration, donc du coup, colère, tristesse, acédie, super thème d'ailleurs ça, l'acédie et la dépression profonde dans la dimension spirituelle, c'est un thème d'un apocadrille, et la superbia, hein, l'orgueil. Notons que toutes les pensées qui se présentent à l'esprit ne sont pas mauvaises. Dans la terminologie d'Évagre, il y a de bonnes pensées qui viennent des anges et les 8 pensées génériques qui viennent des démons. Mais comment distinguer ? Et comment savoir ? Est-ce que c'est les anges ou les démons qui m'envoient ces pensées ? C'est parfois relativement simple, mais c'est bien souvent beaucoup plus complexe. Prenons l'exemple de la vaine gloire. Je peux avoir l'idée d'aider mon prochain, ce qui, en soi, est bon. Mais pour quel motif ? Est-ce par amour ? Ou pour en tirer la gloire auprès d'autrui. Évagre donne un critère qui permet de trancher. La bonne pensée est génératrice de paix, alors que la mauvaise suscite le trouble, l'excitation intérieure, à plus ou moins brève échéance. Alors, je vous ai parlé d'Évagre, pourquoi ? Parce que Évagre a écrit le traité de la prière, 153 maximes,
Et pourquoi 153, vous allez me dire? Parce que c'est un petit clin d'œil à la numérologie de la Bible. C'est 153 poissons pêchés sur le bord du lac de Galilée lors de la pêche miraculeuse. Je vais vous lire quelques-uns de ces points que je trouve très forts. Il y en a 153, je vous les trouvais sur le net, je les mettrai dans le chat. 11. Efforce-toi de rendre ton intelligence au moment de la prière, sourde et muette, et tu pourras prier. 16. La prière est exclusion de la tristesse et du découragement. 35. La prière sans distraction est la plus haute intellection de l'intelligence. Et pour reprendre le point sur demander ou remercier, je vous ai dit, vous pouvez demander, parce qu'effectivement, c'est une forme de soumission de savoir qu'il n'y a que Dieu qui peut donner. Mais les Lumières des Vagues sont intéressantes sur ce sujet. Ça, c'est dans la Maxime 31. Ne prie pas pour l'accomplissement de tes volontés, car elles ne concordent pas nécessairement avec la volonté de Dieu, mais plutôt suivant l'enseignement reçu, prie en disant « Que ta volonté s'accomplisse en moi, et ainsi en toute chose, demande-lui que sa volonté se fasse, car lui, il veut le bien, et l'utilité de ton âme. Mais toi, tu ne cherches pas nécessairement cela. » Alors, deuxième partie de ce mini-short apocadrille, consacré à la prière. J'ai la chance, l'honneur et le privilège d'avoir la visite du docteur Luis Azevedo à mon atelier et bien sûr avec un micro. C'est toujours plus sympa pour vous transmettre cette petite discussion qu'on a eue sur la prière. Rappelons que le docteur Luis Azevedo est taoïste et c'est toujours très intéressant d'avoir son point de vue sur cette question de la prière. Donc là, on n'est pas derrière notre Discord comme des autistes le mercredi en live. Louis, t'es venu chez moi, dans mon atelier. Ça me fait très plaisir. Sur ce thème de la prière et sur le thème de la connexion un petit peu avec la transcendance, avec le rapport qu'on peut avoir. Toi, tu me parles d'une méthode qui peut être applicable et opérative, quelle que soit la tradition. Et ça, ça m'intéresse parce qu'on a un peu de tout dans ma chaîne. Ça va du païen illuminé au catho tradi royaliste, au guénonien affirmé, à même des amis musulmans. Donc au final, le but, c'est pas de créer des clans, puis un cloisonnisme. Ça, je laisse à notre ami Mondrian. Moi, j'ai envie de parler avec toi, ou plutôt tu nous témoignes ton expérience par rapport au taoïsme, mais justement cette fonction de la prière qui peut être appliquée, ou une méthode entre guillemets de méditation qui peut être indépendante d'un rigorisme ou d'un dogme propre à une tradition. Alors je te laisse la parole. Alors en fait, ça va même plus loin que ça, parce que la connexion avec ce qu'on peut nommer Dieu, avec ce qu'on peut nommer le divin, c'est quelque chose qui est très personnel. Et c'est une clé importante par rapport à la prière. Bon, il y a plein de gens qui disent « Ouais, la prière, ça marche pas, j'ai essayé de prier, etc. » Alors, ce que je vais essayer de transmettre ici, ça ne veut pas dire que ça va automatiquement faire que toutes les prières vont marcher tout le temps. Mais le fait est que au début, qui qu'on soit, enfin en tout cas c'était mon cas, on n'est pas forcément très au clair par ce qu'on entend par le divin pour nous-mêmes. Alors entendons-nous, le divin, il est suprême, il est ineffable, il est un pour tout le monde, mais on a tous un peu notre porte pour y arriver, notre façon d'y entrer, de le percevoir. Et en fait, je pense que pour commencer toute voie qui soit un minimum opérative, il faut assez rapidement commencer à cultiver cette connexion à un niveau très personnel avec le divin, le suprême, quel que soit le nom qu'on lui donne. Donc c'est ça l'idée de cet exercice, c'est d'approfondir sa relation personnelle avec cet ineffable. Alors l'exercice, il est relativement simple, vous pouvez le faire, c'est un exercice qui peut prendre un temps variable à produire des résultats, mais il produit des résultats. Si vous êtes appliqué, si vous le pratiquez régulièrement, ça peut arriver immédiatement, ça peut arriver au bout de 2 ou 3 jours, ça peut arriver au bout d'une semaine. Ayez confiance que ça va arriver. Il est relativement simple. Vous vous asseyez dans un lieu calme. Vous
Vous détendez, vous tenez la colonne vertébrale droite. Ça, c'est un principe qui est valable dans quasi toutes les méditations. Colonne droite, détendue. Vous fermez les yeux et vous faites dans l'idée d'obtenir pour vous la révélation de ce qu'est le divin pour vous personnellement. Vous faites cette prière ou une prière qui contient ces idées. C'est-à-dire, la prière, elle est très simple, c'est « Divin suprême, montre-moi ce que je dois voir en ce moment. Fais-moi entendre ce que je dois entendre en ce moment et fais-moi ressentir ce que je dois ressentir en ce moment. » Et ensuite, vous attendez et vous mettez dans un état de réceptivité pour recevoir une réponse. Vous prenez le temps qu'il faut. À la fin de l'exercice, vous notez vos impressions, vous notez ce que vous avez perçu, ce que vous avez peut-être vu. Tu conseilles un livre, un carnet, ça peut être utile de noter un carnet. Un carnet, c'est important. Je dirais que ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans quasi toutes les écoles ésotériques, c'est de tenir un journal d'au moins tous les exercices qu'on fait. Mm-hmm. Pour avoir sa progression. Ça balise un peu, sa balise personnelle. Exactement. C'est vraiment quelque chose qui, dans toutes les traditions qui viennent dans des civilisations qui connaissent l'écriture, j'ai l'impression que tout le monde fait ça. Je me trompe peut-être, mais enfin, en tout cas, toutes les écoles occidentales que je connais font ça. Certaines écoles orientales, au moins, le font. Donc oui, tenez un journal. Et puis, il y a un autre aspect, comment dire, ça fixe l'intangible dans quelque chose de concret. Et là, je commence à donner une clé ésotérique supplémentaire. On pourra en reparler. Mais l'exercice, il est relativement simple. Et lorsque cet exercice atteint son but, et on peut le refaire, c'est un exercice que vous pouvez faire, refaire et refaire encore tout au long de votre progression, parce que votre relation avec le divin, elle va évoluer. Mais quand vous allez établir cette connexion, je ne vous dis pas ce qui va se passer, parce que ça va être très personnel, donc quelque part, j'en sais rien, mais vous allez savoir que vous y êtes, que vous avez touché quelque chose. Alors voilà, simplement. Donc en gros, en fait, tu as donné un espèce de méthode pour essayer de reprendre ces sens, ces quatre sens d'une certaine façon, des espèces de balises comme ça, de scanning sensoriel pour essayer de donner l'opportunité à une voie transcendante de passer. En tout cas, tu donnes l'accès à la fréquence. C'est comme si tu dépliais l'antenne et exactement. Puis tu attends le moyen de recevoir voilà. Des ondes. Quoi, et tu attends le message. Et le message, je veux être aussi vague que possible parce que c'est très personnel, mais ça fait un petit peu... Ça va te transmettre quelque chose comme ton icône personnelle. Et icône, c'est quelque chose de trop limité. C'est trop limitant dans les mots, justement. Mais qu'on y arrive, en général, c'est une expérience assez forte. On peut très bien imaginer qu'on fait cette prière, mais qu'en fait, c'est pas aussi tout de suite dans l'Iket Nunc, mais qu'en activant comme si on ouvrait les fenêtres. Le soleil ne passe pas tout de suite au moment où tu ouvres les fenêtres, mais qui vient après. Donc on pourrait imaginer que par rapport à cet état de réceptivité, tu peux obtenir un rêve suite au jour où tu as fait ces demandes, qui fait que comme par hasard... Pourquoi pas, ouais. Moi, ça m'est arrivé durant la pratique elle-même. Je peux imaginer que ça arrive plus tard. Pourquoi pas. Mais c'est dans le cas parce que les gens, on est toujours dans l'immédiateté. Donc c'est le faux semblant de l'Iket Nunc, hein. C'est le parangon, c'est le succès d'année, on va dire, inverse. T'as l'ici et maintenant,
qui n'est pas à confondre avec le tout et tout de suite, tu vois. Oui, oui, oui. Donc, c'est comme quand je disais que l'unité, ce n'est pas l'uniformité. Oui, oui, c'est oui. C'est exactement la même chose. Liketnunk, ce n'est pas Instagram et les algorithmes. Mais en même temps, c'était juste pour dire que pour ceux qui, tout d'un coup, ne sentent pas et puis ont l'impression que ça ne marche pas, ben attends, non, c'est pas forcément maintenant, mais tu as au moins ouvert quelque chose. Voilà, et il faut persévérer. Et je dirais, ce que tu dis est très juste, c'est que, quelque part, c'est une épreuve, entre guillemets, de patience et de foi. Et la foi, c'est ça, c'est avoir confiance que quelque chose va bien finir par se produire, tôt ou tard. Tu vois, là, on rentre dans des notions plus subtiles de qu'est-ce que la foi, exactement. Ça tombe bien parce qu'on va enchaîner maintenant avec Gilou, qui va nous parler justement de la bona fides, déesse de la foi, de la confiance, et ça fait tout le lien avec justement notre héritage chrétien. En tout cas, je te remercie, Luis Azevedo. Avec grand plaisir. Docteur Luis Azevedo, on te retrouve tout bientôt dans un live ou de toute façon dans un mini apocadrille. À tout bientôt, Louis. Au revoir. Et pour finir, comme dans les lives, place à Gilou. Gilou qui va, en tant que bon helléniste, que pourrait-on dire de la prière dans le contexte hellénique que tu connais si bien? On peut entendre le mot prière de multiples manières. En tout cas, en ce qui concerne l'Antiquité, les textes que nous incluons dans le patrimoine mondial de la littérature revêtent souvent d'un caractère liturgique. La liturgie, c'est la codification sacrée des rites. Par exemple, dans un texte, on va retrouver l'appel à la divinité, c'est-à-dire l'appel à la faire venir sur le lieu du rituel, rituel effectué à l'aide de danses collectives, mais aussi de chants. Le tout, toujours dans le cadre de la crainte respectueuse. Le monde de l'Antiquité est un monde de l'orthopraxie, c'est-à-dire de la pratique juste, et la prière a un but. Ce but se retrouve dans l'expression latine « do ut des », je donne pour que tu donnes. Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Eh bien, c'est simple, il faut se propitier la divinité, c'est-à-dire la rendre favorable à votre entreprise, ou tout du moins l'apaiser si vous pensez qu'elle est en colère. Faisons un peu d'étymologie pour cerner notre sujet. Le verbe prier vient du latin précor. Ce verbe latin était souvent employé avec son parèdre quaero qui signifiait demander. La différence entre précor et quaero est que précor désigne une opération strictement verbale. Je dis une prière pour obtenir quelque chose, tandis que quaero impliquait un médium plus concret, comme le sacrifice animal pour la divinité. On est donc encore loin de la prière telle que prônée par l'Église. Pourquoi? Eh bien parce que celle-ci prend pour départ la révolution qu'est le concept de foi qui va donner un nouveau cadre à la prière, celui d'un rapport privilégié et personnel à la divinité. Intéressons-nous donc à l'étymologie du mot foi. Le mot foi vient du latin fides. Comment était-il utilisé? Eh bien, à cette époque, vous possédiez de la fidesse auprès de quelqu'un, c'est-à-dire que vous jouissiez du crédit auprès de cette personne qui vous reconnaissait un certain charisme. Peu à peu, on va passer au fait de mettre sa confiance en quelqu'un, mais toujours dans un rapport hiérarchique, c'est-à-dire que la personne possède un certain pouvoir. Et là, je veux parler d'obéissance civile au-delà de la simple convention tacite. Fides est donc un terme autant juridique que politique dans l'Antiquité latine et a pour meilleure traduction crédit. Alors qu'en est-il de la prière? Eh bien, vous pouviez demander de la fidesse à la divinité, c'est-à-dire que vous demandiez une garantie pour votre souhait véritable.
et quand bien même il existait une déesse dite de la bonne foi, qui s'appelait la Fides Populi Romani, c'est-à-dire la bonne foi du peuple romain, elle ne faisait que cristalliser cette fides que je viens de vous définir, ce ciment de la hiérarchie dans la société romaine. Le degré d'abstraction du mot foi qu'on retrouve dans l'Église est une resémantisation, c'est-à-dire que le mot a reçu un nouveau sens et que fides se retrouve alors associé en plus au verbe credo, je crois, ce qui signifie je remets ma fides en une divinité supérieure, unique et transcendante. Vous remarquez que le rapport de hiérarchie est toujours présent. C'est donc l'idée du précor, de la prière par la parole qui va dominer le quaero, le sacrifice va s'effacer, seconde révolution du christianisme. De plus, nous sortons petit à petit du do ut des, je donne pour que tu donnes, lentement mais sûrement. Un grand merci à Gilou pour m'avoir fait cet audio que j'ai tenté d'illustrer. Maintenant, la suite, c'est sur Discord. Vous pouvez, après chaque mercredi, après chaque mini apocadrille, nous retrouver, un peu discuter, et puis de toute façon, échanger sur le Discord de manière générale pendant la semaine, et de décanter un petit peu des sujets qu'on aura vus. Et puis bon, on va la refaire, les amis. Hein. N'oubliez pas une chose, c'est de prier, non pas pour demander, pas que, mais surtout pour remercier. Allez, à la semaine prochaine, il y aura des épisodes déconne aussi, hein. Là c'était un peu sérieux, avec Katsugun, des entrées, des intros, bref, c'est que le début. Allez, et tout ça, ça dépend de vous. Allez, j'y reviendrai. Jenny.